approchez doucement. Vous avez commis des crimes contre Bord-de-Ciel et ses habitants. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Pas bête, mais suivez-nous. Je ne suis pas d'humeur. Dites-moi ce que vous voulez ou laissez-moi tranquille. Laissez-moi deviner. Il s'agit de mon soi-disant mari, les Gelfs ? Dites-lui que c'est réciproque. Une femme a bien droit à un peu d'intimité. Laissez-moi.
Dépêchons-nous. Le soleil n'est pas très bon pour ma peau, si vous voyez ce que je veux dire. Les impériaux nous prennent pour des bêtes sans loi. Je suis la preuve de leur ignorance. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Non ! Oh, par les dieux ! Je vous en supplie, non ! La mère de la nuit est notre mère à tous. Nous suivons sa voix, sa volonté. Oseriez-vous lui désobéir ? On risque sûrement d'être... Vous n'avez pas parlé à Astrid ? Elle est à la nappe d'encre, en train d'accueillir la mère de la nuit et son petit bouffon. Elle a un contrat à vous confier. Revenez me voir ensuite. Vous n'avez pas parlé à Astrid. Elle est à la nappe d'encre, en train d'accueillir la mère de la nuit et son petit bouffon. Elle a un contrat à vous confier. Revenez me voir ensuite. Vous n'avez pas parlé à Astrid. Elle a un contrat à vous confier. Revenez me voir ensuite. Ah, vous voilà. Bien. De toute façon, je n'avais plus rien à dire à ce fou qui marmonne dans sa barbe. Nous devons parler affaires. La mission Redoran ? Oui, c'est exact. N'oubliez pas. Ah, vous voilà. Bien. De toute façon, je n'avais plus rien à dire à ce fou qui marmonne dans sa barbe. Nous devons parler affaires. Oui, tout à fait. Vous devez vous rendre à la ville de Margarthe et parler à l'assistante de l'apothicaire. Vous la trouverez sûrement au remède de la vieille, quand la boutique est ouverte. Cette fille a dit à qui voulait l'entendre qu'elle souhaitait voir mourir un ancien amant. Apparemment, elle a réalisé le sacrement noir. Elle s'appelle Muiri. Vous devez aller lui parler, conclure les termes de la mission, puis vous en charger. Pliez-vous aux exigences de ce contact. Faites preuve de professionnalisme.
Représentez-nous fièrement et faites votre travail. Puisqu'il s'agit de votre première mission, je vous laisserai conserver l'argent que Miri vous donnera. Elle sera généreuse, j'en suis sûre. Ils le sont toujours. Allez vous occuper de la mission Miri. Pas grand-chose. Aujourd'hui, nous vivons son gardien est ma seule inquiétude. Soyez vous-même. Il pourra m'arriver de vous confier. Il venait de la mère de la nuit avant. La mère de la nuit transmettait les... Mais les gens l'ignorent. Autrefois, la confrérie noire était... Toutes ses rêves. Une seule. Ce sanctuaire est toute ma vie de... J'avais un... La confrérie noire m'a recrutée et je ne l'ai pas quittée depuis. J'ai rencontré mon mari, Arnbjorn, et j'ai grimpé dans la hiérarchie. Je vois que vous êtes de... Félicitations. Vous avez tué un pauvre mendiant de sang-froid. Quel redoutable assassin vous faites. Voici votre paiement. Vous empêchez... Bien. Au fait, j'espère que vous avez fait attention. Ces scieries sont toujours pleines d'échardes et de clous rouillés. Voici votre paiement pour cet excellent travail. Pas étonnant. On dit bien que les mineurs concurrents se détestent à mort. Et que le travail... Je pourrais continuer toute la journée. Bref, voici votre paiement. Non, je m'excuse. Revenez me voir plus tard. Les contrats que j'octroie sont généralement assez simples. Il suffit de se rendre sur les lieux et de tuer la cible. Mais les missions qu'Astrid compte... Je n'aime pas les mimes, les ménestrels. Je ne suis pas non plus amateur de cadavres de vieilles femmes. Même si je fais une exception pour la mère de la nuit. Mais Astrid est ma seule maîtresse. Vous empestez la mort! Je vous salue bien pas. Hé hey. Et c'est votre voix? Non.